tout le monde! Bonjour, papa! Vous êtes prêts? Ouais! Bon, vous êtes excités? Ouais! Hey, vous êtes dans les dernières minutes de votre sixième! Ouais! Comment on sent aujourd'hui? Moi, en tout cas, je voudrais pas vous gérer aujourd'hui, ça c'est clair. Il y a trop d'énergie dans l'air. Comment on sort de la fête de l'an, on fait tout seul dehors? Dehors? Oh oui, on vous attend dehors, tantôt, les jeunes. C'est ça, Mais Joël, how do you feel right now? Pretty excited. I guess. Be there in a couple of minutes. Very satisfied? Yeah. Yeah. Thank you so much for everything, actually. No problem. Bonjour, c'est Rod. Bonjour, comment ça va? Ça va, ça va? Ça va bien, ça va bien. Je vais juste... Maintenant? Bien d'aller au secondaire. Je suis si mal parce que je veux voir mes amis. C'est quoi l'émotion que t'as en ce moment? L'émotion? Je suis content triste. Parce que je suis content parce que j'ai fini ma sixième année. Puis je m'en vais en vacances, ça va être vraiment cool, je vais aller avec mes amis. Mais je suis triste parce que je vais perdre tous mes amis. Faut pas les perdre, ils vont être là, ils déménagent. Lui, ok, je vais le perdre, là, et il va. Moi aussi, je vais perdre, là. Ben, ça fut un plaisir.
Donc c'est triste ou vous êtes content de quitter l'école? Ben on est content puis on est triste hein? Parce qu'on va pas se revoir puis c'est plate. Là. Ok, ben, pourquoi vous allez arrêter de vous voir au jeu? Parce qu'on va devenir vieux, on va avoir notre Lamborghini, puis on va devenir paresseux. Vous empêcher de vous voir ça? Ben oui, puis ouais. On va être paresseux, on va essayer de m'en gamer puis c'est ça. Ben là, moi je conduis ma Lamborghini. Ok, merci beaucoup pour l'interview. Comment tu te sens maintenant? Comment te sens-tu? Ben, je suis pas content, là, tu sais, je finis ma sixième. Comment tu veux que je me sens? As-tu aimé ta sixième année? Ouais. C'est quoi ton année? C'est laquelle ton année préférée? Je pense qu'on est comme... Il y en a pas, parce qu'il était tout incroyable, puis là, il était tout. Bon, c'est genre, attends qu'il arrête, juste à la freinette, et il bat. Ok, quel était votre prof préféré pendant toute l'année? C'était vraiment Madame Marie-Ève. Pourquoi? Parce qu'elle arrêtait pas de faire des blagues, on apprenait en s'amusant, puis on jouait plus qu'apprendre, mais c'était vraiment fun. Quelle a été l'activité la plus passionnante? Aller à Ottawa. Aller à Ottawa? Ouais, c'est sûr que si on irait à New York, là, tu sais, si à mon avis on n'est pas allé, mais si on aurait été, ce serait vraiment cool, mais là, c'est Ottawa, là, parce que... On est pas là. Okay. Quelle a été votre matière préférée? Ma matière préférée? L'univers social. L'univers social? Ok, merci. C'était Iba avec Justin. Qu'est-ce que ça pourrait te donner comme... Jumala, t'es en quelle année, toi? Troisième. Est-ce que t'as hâte d'être une grande comme les sixièmes? Oui. Oui? Est-ce que t'as déjà une idée de ce que tu veux faire quand tu vas être une grande fille? Enseignante. Enseignante? Mon Dieu, t'es dans le bon environnement pour ça, Julana. Qu'est-ce que t'aimes de l'école des Trois Soleils, toi? J'aime... Qu'est-ce que t'aimes le plus de cette école-là? Je sais pas vraiment. J'aime les... Le fait que c'est proche de la maison, le fait que les enseignantes sont gentilles avec toi? Ouais, les enseignantes sont gentilles. Ouais. Caroline nous donne des gommes. Ah, et c'est ça que c'est ce que toi t'aimes, hein, les gommes? C'est pour ça qu'elle est lèvres roses comme ça? Non, ça c'est parce qu'elle a mangé un sang. Ah, je comprends. Et qu'est-ce que tu aimes le moins de ton école? L'anglais. L'anglais? Pourquoi l'anglais? Parce que j'aime pas vraiment, je suis pas capable de parler anglais. Mais j'avoue que ton français, il est vraiment, vraiment, vraiment joli, hein? Comme toi d'ailleurs. Mais merci ma belle. Comment ça a été votre année avec une sixième année? On a eu un début difficile, mais ça a bien fini. Et je suis fier d'eux et de vous. Quelle était votre activité préférée à faire avec une sixième? Je dois avoir un coup de cœur pour ton chandail, pour le vélo de persévérance. C'était un beau moment qu'on a passé ensemble.